Bonjour. Si vous trompez votre personne, quoi, eh bien faites attention quand même. Des hackers super doués visiblement menacent de mettre 30 millions de noms d'utilisateurs utilisant des sites pour infidèles. Et quand on voit tous les merdes qu'on a avec le hack aujourd'hui, bah, on s'en bat les couilles. Venez qu'on utilise Internet encore une fois. Au Japon, dans le pays des voix de phoque en beauté, une artiste japonaise a réalisé une série d'animaux en mouchoir de papier. Et ces animaux, ils se nourrissent de bave dégueulasse. Et chez nous, en Ardèche, une habitante se gare devant la police avec 3 grammes d'alcool dans le sang. Et quelques mois avant, c'était un habitant d'Amiens qui est lui aussi retrouvé avec 3 grammes d'alcool dans le sang, devant la police. Et de retour au Japon, un hôtel géré par des robots vient d'ouvrir ses portes. Et voilà la galère qu'on peut voir avec ce genre de système. Monsieur, est-ce que c'est normal que je trouve dans ma chambre une mouche qui copule avec un robot? Et une mouche qui arrache les poumons d'un homme? Et là, attendez, là ils sont en train de casser un mur. Mais au moins ils sont en train d'agrandir la chambre. Et là, vous allez me dire que c'est normal qu'ils cassent carrément l'hôtel. Bon, allez, c'est bon, ça suffit, hein? Vous êtes qui derrière tout ça? Bah, regardez, j'ai enlevé ma tête de robot. J'ai mal à la tête. Est-ce que vous avez une bouche à me donner? Maintenant que votre dose de désinformation est terminée pour aujourd'hui, je vous invite maintenant à rejoindre la chaîne, les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, hein, comme les désinformations internetisées, et surtout partager la vidéo, ça c'est le plus important. Et sur ce, je vous remercie.